Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mignole action. Oui, vous voyez, je refais des pioles action en ce moment. J'y suis allée une fois dans la semaine et une fois aujourd'hui. Voilà. Bon, ce sera tout là pour la. Jusqu'à, je pense, la fin de l'année. Enfin, normalement. j'avais besoin de petites choses pour finir les cartes de Noël pour mes petits-enfants. Et puis, j'ai vu des petites choses qui m'intéressaient et que je voulais découvrir. Donc, je les ai prises. Voilà. Je suis toujours essoufflée. Désolée. On m'avait dit, quand tu arrêteras la cigarette, tu seras moins essoufflé. Ouais. Bon, il y a un truc qui fait reflet. Je ne sais pas ce que c'est. Derrière. Bon. On va se mettre comme ça. Oui, ça fait moins reflet. Alors, en premier, ce que j'ai pris dans la semaine, à part des choses que j'avais pris... pour la maison, bon là que je vais pas vous montrer, hein, ça vous en fichez. J'avais pris des livres de coloriage, mais que ça n'a pas plu, ça ne plaisait pas à Chouchou, donc je les ai rendus aujourd'hui. Donc sur ces courses-là, il me restait des stickers alphabet, voilà, comme ça. Ça brille de partout. Voilà. Donc, je voulais prendre deux boîtes de chaque, mais je n'ai pas réussi. Alors, pour deux modèles, j'ai réussi. Donc, celui-là, c'est doré bronze, on va dire. Voilà. Ça m'embête que ça brille comme ça. Voilà. Donc, voilà, bien sûr, les lettres qu'il y a dedans. Hein. Et vous avez des petits... des petits logos là, voilà, comme ça, des fleurs, des étoiles, des cœurs. Donc ce qui n'y avait pas avant dans ces lettres, puisque ça c'est déjà sorti, hein, avant, on les avait déjà eu. Et je ne sais pas, bon, si elles sont en double ou quoi dedans. Donc sans, il y a 53 pièces, donc non, ça ne doit pas être en double. Je ne sais pas. Donc, j'ai pris deux paquets comme ça. J'ai pris deux paquets en violet. Je suis désolée, mais ça brille. Le plastique plus l'écran. Voilà. Donc, là, deux paquets. Et là, je n'en ai trouvé qu'un. Après, je n'ai pas trouvé d'autres couleurs. Et aujourd'hui, j'ai regardé, il n'y en avait pas d'autres. Rose fuchsia, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était 84 centimes pièce. Donc, ça va. Voilà. Donc, pour les courses de la semaine, dans la semaine, c'était ça. Le reste, c'était pour la maison. Je vous avais déjà dit, hein, une nappe pour Noël, des serviettes en papier. Oui, c'est pas écologique, je sais, mais je m'en fous. C'est Noël. Voilà. Bon. Je vais me faire engueuler, hein, mais bon. Par les écolos derrière l'écran. Le reste de l'année, hein, je fais attention. Mais là, Noël, hein, j'ai pas envie de m'amuser à faire de la lessive. M'engueulez pas. Encore, je crois que la nappe, je ne l'ai pas encore déballée, mais je crois que la nappe est en tissu. C'est même pas du plastique ni du papier. Je crois que c'est quand même un tissu que je peux récupérer, que je peux nettoyer. Il faudrait que je regarde. Je n'ai pas encore déballé. Alors, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Parce que vous savez qu'en ce moment, bon, en plus avec le confinement, tout ça, les rayons qui étaient fermés, on ne sait plus ce qui était nouveau, ce qui n'était pas nouveau. Voilà. J'ai trouvé ça. Voilà, une boîte de 20 cartes avec leur enveloppe. Donc, on va ouvrir ça. Hop.
avec mon petit cutter, mon petit scalpel. Donc voilà les motifs derrière. Alors c'est des cartes 15-15. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, ce que ça donne. Bon, c'est un peu plus petit que 15-15. Ouais, c'est 13. Bon, ça va. Alors, ah, toutes les enveloppes sont de la même couleur. Elles sont vertes. Toutes les enveloppes sont vertes avec un rectangle blanc au milieu pour vous noter l'adresse. Voilà. Et donc, vous avez 20 cartes. Je vais vous les montrer. Alors, elles sont en double. Oui, elles sont en double. Donc, je vais vous les montrer. Donc, il y en a deux de chaque. Donc, on peut les redécorer un peu au-dessus. Hein. Voilà, elles sont blanches à l'intérieur. Donc, voilà les modèles. Comme ça. Avec des petits cœurs. Des petits pois argentés, des étoiles, des serpentins, des triangles, des voilà. Là, avec du voilà, comme ça, brillant. Ceci. Ils sont jolis. Des petites fleurs. Là, des blanches. Oh, j'en ai pris une en trop. Hop. Avec des petits trucs argentés, des bitonios argentés. Et la dernière, rose avec des petits rectangles, des petits triangles rose pailleté. Voilà. Il y a plusieurs modèles. J'en ai pris qu'un paquet pour voir ce que c'était. J'ai vu deux. Là, j'ai vu deux modèles, moi. Voilà. Alors, ça, ça coûtait combien? €1,54. Voilà. Ça va. Et puis pour ceux qui ne savent pas trop décorer des cartes, bah c'est pas mal. Vous avez déjà le fond qui est fait. Alors, ensuite, là, c'est des. Alors, je pense que ça, c'était déjà sorti. Oui, je crois que c'était déjà sorti. C'est des feuilles. C'est du velours. Alors, c'est des feuilles adhésives. Alors, il y en a 8 dedans. Donc, vous voyez les couleurs. Un rose plus pâle, un beige rosé et un blanc. Donc, vous en avez deux de chaque. C'est adhésif. Et on voit les couleurs ici en bas. Ça me plaisait bien pour justement pour mes cartes. J'ai envie de faire une des cartes comme ça. J'ai pris plusieurs couleurs. Alors, j'ai trouvé que 3 couleurs. Je ne sais pas s'il en existe plusieurs. Donc, j'avais pas vu qu'il y avait un rond. Voilà, on le voit. Pour toucher la matière. Alors, moi, les couleurs que j'ai trouvées, c'est ceci. Les tons bleus, ici. Donc, bleu plus clair jusqu'au bleu très foncé. Et là, les tons mauves. Voilà. Je suis désolée, hein, voilà, les bleus, je vous les remontre ici, et une rose, voilà, je vais en ouvrir une pour voir l'épaisseur, alors, bon, j'espère que ça colle bien, c'est surtout ça.
Ah ben, ça doit bien coller parce que ça colle sur le fond. Allez. Voilà. Ça va, c'est pas épais, mais bon, c'est ce qui ça suffit pour les cartes. Hein. Alors, je vais regarder niveau colle ce que ça donne. Oh, ça va. Voilà, vous voyez l'épaisseur. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon. On verra l'usage. Je vous ferai, de toute façon, vous verrez avec les cartes que je vais faire. Alors, ça, 94 centimes. Ça, ici, c'est déjà sorti aussi. J'ai pris que deux modèles parce qu'il n'y avait que deux couleurs dans le rayon. Mais je pense aussi qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est les feuilles stickers, mais en glitters. Voilà. Vous voyez, ça brille. Donc, elles se découpent, hein, bien sûr. Donc, c'est autocollant textile pailleté. Donc, c'est un... Je ne sais pas en quoi c'est. Ce qu'il marque. Non. Bon, on va en sortir une. Je pense que j'en ai jamais acheté celui-là, je ne me rappelle plus. Ah, bah décidément. Oh, oula, j'en ai décollé une. Oh, c'est très fin. C'est très très fin. Alors, ça se décolle comme à rien. Alors, c'est encore beaucoup plus fin que... Là, il y a la protection derrière. Hein. C'est encore beaucoup plus fin que le velours. Et là, c'est très extrêmement fin. Donc là, il faudra que je fasse très attention en voulant le coller. Et surtout en le découpant. Donc, j'ai pris cette couleur-là. Donc, il y a du rose pâle, du doré et un genre de doré vert. Et là, il y a de l'argenté, du doré, du cuivré et un autre argenté. Plus foncé. Voilà. Donc là, j'en ai eu que deux. Et celui-là, alors, 56 centimes. Alors, ici, là, j'ai trouvé ça rigolo. Bon, j'ai trouvé que trois modèles. Pareil, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense que oui. C'est des feuilles aussi adhésives. C'est un peu fourrure, voilà. Donc, il y en a combien de feuilles dedans? Il y a deux feuilles. Donc là, voilà un modèle. Donc, le modèle derrière est pareil. Hein. Voilà, donc ça, ça fait un peu fourrure. Pareil, c'est adhésif. Ça, c'est rigolo, je trouve. Avoir une carte en fourrure. Allez, viens par ici. Ah, celle-là, moi, ça sert. Voilà. J'essaie de vous montrer. Vous voyez? C'est comme de la fourrure. Très fine. Donc, pareil, c'est adhésif. Donc, voir aussi si ça tient bien. Donc, j'ai pris ce modèle-là, celui-ci et celui-ci. Voilà, ça c'est girafe. Ça c'est panthère.
Mais celui-là, zèbre, tigre, peut-être. Voilà, j'ai trouvé que ces trois modèles. Et ceux-là, ils étaient... alors, non, là, il y en a trois. Attendez, je cherche. 94 centimes aussi, je crois. Je les trouve pas. Alors, mince, je les trouve pas. Ah, 84. Non, c'est pas ça. Ah bah mince alors. Allez, voilà. Non, c'est ceux-là qui sont à 56 centimes. Et donc, ceux-là, ils sont à... C'est ceux-là que je trouve pas, ouais. ça doit être dans les 94 aussi, je crois. Voilà. Donc, voilà mes petits achats. Bon, oui, c'est raisonnable. Ah si, encore un truc. Ça. Donc, c'est plusieurs rubans. Donc là, il y avait plusieurs couleurs, hein. J'avais pas envie de fouiller, j'en avais marre. J'ai pris que les noirs et blancs. Voilà. Je vous montre. Ils sont autocollants. Voilà. Donc il y a combien de mètres? 5 mètres pour chaque. Je pense. Ah non! 5 fois 1 mètre. Ce serait bien, 5 mètres de chaque. Donc, 1 mètre de chaque. Voilà. Et ça, 84 centimes. Voilà. Donc, ça allait. Et je vous dis, bon, les livres de coloriage, je les ai rendus. Donc, ça ne plaisait pas, chouchou. Sinon, ben voilà, c'est tout. Et puis, ça, je ne voulais pas montrer, mais puis j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Fifi, Pacha et Géry. Bon, pas des jouets, des récompenses, des biscuits. Des miam-miam. Ils aiment mieux les miam-miam que les jouets. Voilà. Donc, je vais leur faire un petit paquet, leur petit emballage. Voilà. Et comme ça, ils auront leur petit cadeau de Noël aussi, comme tous les ans. Voilà, moi, mes animaux ont leur petit cadeau de Noël, tous les ans. Voilà, je sais, je suis gaga, mais je m'en fous. Voilà, mes animaux ont le droit à leur petit cadeau de Noël. Bon, les oiseaux, non, hein, sinon je n'ai pas fini. Mais sinon, voilà, mes poilus ont le droit à leur petit cadeau de Noël. Et vous, Diane, justement, est-ce que vous faites des cadeaux de Noël à vos poilus? Chats, chiens, dites-le-moi. Lapins, si vous avez des lapins. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je pense que ce sera la suite des cartes de Noël de mes petits-enfants. Voilà. Là, c'est le week-end, donc oui, je vais refaire vidéo. Je vais faire diamond painting. Je vais faire, je sais pas, je vais voir. Suivant mes humeurs. je vais vous faire à tous des gros bisous. Ah oui, je voulais donner des nouvelles de Pacha. On m'en a demandé. Il va beaucoup mieux. Comme vous savez, j'avais dit, hein, il vomissait beaucoup. Il a vu le vétérinaire. Le vétérinaire lui a fait une piqûre. Il lui a donné des médicaments. Bon, le premier jour, ça a été galère parce qu'il a... Il pleurait. Après avoir été au véto, il a pleuré toute la journée. Donc, on s'était un petit peu inquiété. On dit, il fait une réaction à la piqûre. J'ai pris sa température. Je pouf, dans le popotin. Il n'en faisait pas. Mais bon, on avait quand même appelé le véto pour demander. Il a fait non, non. Il dit, il faut les... C'est rien. C'est... Surveiller la température et puis voir s'il revomit encore beaucoup ou quoi. Mais il a... Ça a été. Et là, bon, un petit vomi. C'est tout. Plus comme avant. Et là, maintenant, il va très bien. Il galope, il fait le con, donc ça va.
Tout va bien. Tout est revenu dans l'ordre. Donc, mon petit pépère est en pleine forme. Voilà. Donc, je voulais vous donner des nouvelles. Et merci pour celles qui m'en ont demandé. Je vous laisse maintenant. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Et bon week-end à tous.